Et voilà parti pour cette 14e course France-Tire Poney Cross Challenge avec Logan Fairtrade qui s'est tout de suite emparé du commandement alors qu'on vient également bien calé dans leur dos avec Anisette qui s'est très bien élancée, de même que Longhetto Gemina et Vitamine Debré pour franchir la première rue du parcours et se diriger vers la deuxième difficulté du parcours devant les tribunes. Logan Fairtrade qui a toujours librement l'avantage avec Anisette qui vient en seconde position, Vitamine Debré troisième alors qu'on est quatrième avec Las Longhetto Gemina devant Irene Fistabita, Aurielton Martina, Irene Fistacturus et Margot Moisson Kazakh jaune sont en avant-dernière position. On ferme la marche du peloton avec Cosfort Pell et Soleil Nayar Fouchard. Les concurrents ont abordé le tournant d'après la ligne droite et vont aborder le début de la ligne opposée. Et pas de changement notable en tête avec Anisette qui a pris l'avantage désormais. Aurielton Martina vient en seconde position. Vitamine Debré également fait le forcing le long de la corde et prend l'avantage à cet instant. Vitamine Debré qui emmène le peloton avec Tommy Limerac. Anisette est deuxième. Irene Fisacturus s'est bien rapprochée en troisième position à l'heure d'aborder la diagonale devant Aurielton Martina. Deux, trois longueurs plus loin à retrouver. Irene Fistabita devant Logan Fairtrade qui a été reprise par Philippe Madame au centre du peloton avec également. À l'heure de franchir le fameux guet, chute d'Anisette dans le guet, chute d'Aurielton Martina. Les concurrents abordent une nouvelle difficulté. La diagonale avec la haie, on se relève sans mal du côté des cavaliers, c'est tant mieux. Avec Tommy Limerac et Vitamine Debré qui ont l'avantage, avec Margot Moisson et Irene Fisacturus, avec Logan Fairtrade qui est à distance, juste devant Longhetto Gemina qui est maintenant débordé par Cosfort Pell. Les concurrents ont abordé la banquette et toujours les mêmes aux avant-postes. Vitamine Debré qui montre le chemin désormais pour franchir une nouvelle haie. Juste devant Irene Fisacturus, Logan Fairtrade est en troisième position. On est quatrième avec Longhetto Gemina. On est à distance avec Cosfort Pell qui est de trois longueurs plus loin, qui ferme la marche du peloton. Les concurrents abordent le bout de la diagonale et vont repasser une nouvelle fois devant les tribunes avec Vitamine Debré, Tommy Limerac, Kazakamon qui a librement l'avantage et ceci depuis le début de l'épreuve, supportant le poids de la course. On est bien calé dans son dos avec Logan Fairtrade au saut d'une nouvelle difficulté qui a fait une grosse faute. Grosse faute de Logan Fairtrade mais qui reste en selle. Néanmoins, les concurrents vont franchir une nouvelle haie devant les tribunes et pas de changement notable en tête avec Vitamine Debré qui a librement l'avantage alors que Logan Fairtrade est dans son dos 2-3 longueurs plus loin, juste devant Irene Fisacturus avec Irene Fistabita et puis également Cosfort Pell. On termine également son parcours avec notamment Arthur Ferland et Longhetto Gemina. Les concurrents sont dans le tournant et vont aborder la ligne d'en face pour la dernière fois. Vitamine Debré qui a l'avantage et qui a déjà bien fait ici, qui va tenter de le faire de bout en bout, supportant le poids de la course. Elle est toujours en tête librement avec Tommy Limerac, avec Logan Fairtrade qui est deuxième alors qu'on est troisième maintenant, bien calé dans leur sillage avec Irene Fisacturus et contente de venir à l'extérieur maintenant et de progresser avec Irene Fistabita alors d'aborder la diagonale une nouvelle fois devant Cosfort Pell. Ils vont franchir une nouvelle fois le guet et pas de changement notable en tête alors qu'on prend ses distances avec Vitamine Debré qui compte 2-3 longueurs d'avance sur le reste du peloton à l'heure de pénétrer dans le guet alors que Logan Fairtrade vient à l'extérieur. Irene Fisacturus est troisième et tente de venir et puis elle est également avec Irene Fistabita qui ne lâche pas le morceau en quatrième position. On est un petit peu plus loin avec Imperial Fighter, les concurrents, avec Cosfort Pell, pardon, les concurrents sont dans la diagonale et vont aborder une nouvelle fois la diagonale avec la banquette, avec toujours Vitamine Debré qui a l'avantage, avec Logan Fairtrade qui vient à l'extérieur. On est troisième maintenant et on attend son heure avec Irene Fisacturus au bout de la ligne d'en face devant Irene Fistabita. Les autres sont à distance avec maintenant l'AE avant d'aborder l'ultime tournant de l'épreuve dans quelques instants. Vitamine Debré qui a l'avantage depuis le début maintenant à l'extérieur. On tente de lui mettre la pression avec Logan Fairtrade, pardon, qui a sauté les bidons en deuxième position. On est troisième avec Irene Fisacturus. On est quatrième avec Irene Fistabita. Il va rester deux difficultés à franchir et la lutte fait rage maintenant avec Vitamine Debré qui repart le plus belle. Tommy Limerac, Logan Fairtrade qui est maintenant en deuxième position, mais son cavalier qui est en fâcheuse porture et qui chute actuellement. Vitamine Debré rallie le poteau en toute quiétude, s'imposant d'une dizaine de longueurs. Vitamine Debré qui s'impose très facilement dans cette épreuve. Irene Fistabita est courageux second devant Irene Fisacturus.